Allez, salut tout le monde, c'est Demon04 et on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de mes tutoriels, de mon tutoriel sur la redstone. Allez, on y va tout de suite. On va travailler maintenant le déplacement de la redstone horizontalement et verticalement. Donc voilà, vous allez voir, ça va être très très intéressant. Donc on va voir les différentes façons de déplacer la redstone horizontalement et verticalement. Allez, c'est parti. Et voilà, on se retrouve dans la zone de test de l'épisode 3, déplacer un signal de redstone. Alors, on va commencer par le déplacement horizontal, vu que c'est le plus simple. Donc, on va faire donc tous les types là, tous ces déplacements, toutes ces lignes font 17 blocs. C'est-à-dire que de là à la lampe, il y a 17 blocs. Donc, la première méthode de déplacer horizontalement le courant, c'est la méthode la plus économique. C'est, on va dire, la méthode, je l'ai appelée la méthode basique, c'est-à-dire mettre votre redstone sur 15 blocs, puis ensuite un répéteur, puis repartir sur 15 blocs, puis encore un répéteur. Donc là, comme c'est 17 blocs, finalement, pas besoin d'aller plus loin. Donc, on va tester maintenant. Vous allez voir, normalement, il devrait y avoir un tick de délai, vu qu'il y a un seul répéteur. Voilà. Donc ça, c'est la méthode basique. Ensuite, il y a les répéteurs. Donc là, on a une suite de répéteurs que j'ai tout mis, que tous les répéteurs sont mis à un tick. Donc sachant qu'il y en a 17, ça va faire 17 ticks. Voilà. Donc ça, c'est pour faire un délai, les répéteurs. Hop. Donc voilà. Vous pouvez voir, ça c'est que là je trouve le courant qui se déplace. Voilà, donc ça c'est la méthode avec des répéteurs. Maintenant on a la méthode avec des comparateurs. On n'en a pas encore parlé durant ce tutoriel, mais le comparateur, on verra dans le prochain épisode qu'il a beaucoup d'autres utilités. Mais le comparateur, pour l'instant, sert à déplacer le signal de redstone à la façon des répéteurs. Donc on va voir tout de suite ce que ça fait. Et voilà, vous pouvez voir qu'il y a quand même un délai. Mais hop, on va tester ensemble et on va voir que il y a moins de délai qu'avec un répéteur. Normalement, la ligne de comparateur va faire allumer la lampe de redstone en premier. Voilà, vous pouvez voir que les comparateurs vont un peu plus vite que les répéteurs. Donc on verra plus les comparateurs en détail, on les verra dans le prochain épisode, je crois. Il me semble que c'est le prochain épisode qui sera sur les comparateurs et les entonnoirs. Donc ça va être très intéressant. Et maintenant, une autre méthode en se servant des pistons. C'est une méthode assez peu courante, mais qui marche aussi. Donc se servir d'un piston pour faire déplacer le courant. Voilà. Donc là, on va avoir aucun délai, normalement. Zéro tick de délai. Voilà, ça s'allume instantanément. C'est l'avantage avec le circuit basique, qu'il a un tick de délai, vu qu'on est obligé de mettre un répéteur au bout de 15 blocs. Là, on met un piston, et voilà. On fait les 17 blocs, et on n'a pas de délai, contrairement au circuit basique. Donc maintenant, lorsque vous voulez faire, on a déjà vu ça quand on a parlé des répéteurs. Alors, je vais justement prendre mon matériel. Excusez-moi, j'ai beaucoup de choses là dans mon inventaire, c'est un peu n'importe quoi. Voilà, donc je prends le matériel. Donc on a déjà vu ça dans le dernier épisode sur les répéteurs et les pistons. On a vu qu'un circuit comme ceci pouvait s'entremêler facilement lorsque il n'y avait pas un bloc pour espacer les deux circuits. Donc comment faire? Parce que moi je veux que ce levier-là désactive la torche qui est en face. Et que chaque levier désactive indépendamment la torche qui lui est associée. Donc c'est très simple, on a déjà vu ça dans le dernier épisode. Vous mettez les répéteurs comme ça. Donc soit vous pouvez les mettre comme ça. Donc moi je vais en mettre, j'en mets comme ça. Voilà, ça va aller. Alors, je fais n'importe quoi. Hop. Ça on n'en a pas besoin de ça. Voilà, et là je peux laisser ça comme ça. Donc vous pouvez voir que ce levier-là désactive bien uniquement la torche qui est en face, qui lui est associée. Pareil pour ce levier-là et pareil pour ce levier-là.
Et donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que ça marche aussi avec des comparateurs. Non, il faut pas. Voilà. Pardon. Ah, oh, c'est pas vrai. Voilà. Donc, ça marche aussi avec des comparateurs. On active bien indépendamment chacun des circuits. Donc voilà, ça c'était pour le déplacement horizontal. Maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu plus intéressant qui est le déplacement vertical. C'est parti. Donc, on va déjà voir comment faire monter un courant, parce qu'on va voir comment le faire descendre aussi. Mais là, on va voir comment le faire monter. Alors, je vous ai mis différentes méthodes. J'ai pas mis toutes les méthodes, j'ai mis juste les méthodes qui me semblaient intéressantes pour ce tutoriel. Donc la première méthode, c'est la solution de l'escalier de redstone, on en a parlé. Donc, ah oui, j'oubliais, je fais monter tous mes circuits à 12 blocs, c'est-à-dire que les lampes de redstone sont placées à 12 blocs du levier. Donc pour comparer justement. Donc vous pouvez voir que on a le bon vieil escalier de redstone qui prend beaucoup de place sur la longueur, forcément. Mais qui lui est instantané, c'est-à-dire que instantanément la lampe va s'éteindre ou s'allumer. Sauf que ça prend quand même beaucoup de place, hein, c'est pas très, ça prend pas mal d'espace. Hein. Là, pour faire monter 12 blocs, il y a 13 blocs en longueur, donc ça prend quand même pas mal de place. Donc pour pallier à ce problème, on peut avoir des escaliers en colimaçon, c'est-à-dire que là, au lieu d'avoir l'escalier sur une longueur, on l'a sur un carré de 2 sur 2. Qui fait monter jusqu'en haut. Là aussi, c'est instantané, comme vous pouvez voir. Mais c'est toujours pas très très économique en termes d'espace. Donc on va voir encore plus économique. Là, on est juste sur un bloc, enfin deux en l'occurrence, vu qu'il y a ça. Donc en fait, c'est l'ascenseur, je l'ai appelé l'ascenseur à torche. En fait, ce qui va se passer, c'est que je vais activer ce levier. Cette torche-là va se désactiver, elle va activer cette torche-là, ça va désactiver cette torche-là, ça va activer celle-là, ça va désactiver celle-là, et ça va activer celle-là, et ça va allumer la lampe de redstone. Donc, il y a exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 torches, donc 6 ticks de délai. Voilà, il y a un peu de délai, donc 6 ticks de délai, mais c'est quand même, ça prend beaucoup moins d'espace que les escaliers en colimaçon ou l'escalier de redstone classique. Ça prend beaucoup moins d'espace et c'est vraiment pratique aussi. On a aussi cette méthode-là, donc avec un piston. Un piston avec un bloc qui subit la gravité. Là, j'ai mis du sable. On pouvait mettre du gravier ou du sable rouge. Le sable rouge étant un nouveau bloc qui vient avec la 1.7. Donc voilà, et au sommet, on a une torche de redstone pour mettre un courant et un répéteur prêt à envoyer du courant dans le bloc. Et puis le bloc, donc la redstone qui va traverser le bloc pour arriver jusqu'à la lampe. Donc lorsque ça va monter, pouc, le sable va monter ici. Et ensuite, comme c'est un sable, comme j'ai pris du sable, pardon, lorsque je vais désactiver, tout le sable va redescendre, ce qui fait que bah, on reviendra à cette situation-là. Donc il y a absolument aucun délai, donc vous allez voir que ça prend beaucoup de place en haut, j'ai envie de dire. Ça prend pas beaucoup de place, hein, c'est un peu comme l'ascenseur à torche. Sauf que là, on n'a pas de délai pour activer la lampe. On aura un petit peu de délai le temps que le sabre tombe lorsque on voudra la désactiver. Donc voilà, c'est instantané. Et là, il y a un peu de délai le temps que le sable tombe. Donc voilà, c'est une méthode sympathique. Pour faire monter le courant de redstone. Là, on ne fait pas vraiment monter le courant de redstone. En fait, le courant de redstone est déjà en haut. Donc voilà. Une autre méthode aussi assez connue, c'est la glowstone et les demi-dalles. Donc là, il n'y a absolument aucun délai. Ça prend peu de place. Et c'est vraiment très pratique. En fait, les demi-dalles et la glowstone. Donc on va commencer par la glowstone. La glowstone a la propriété d'être un bloc transparent, comme le verre. Mais qui laisse passer le courant de redstone. Donc en fait, ça a pour effet que lorsque vous mettez un courant de redstone, et là vous mettez de la redstone ici, même si vous cassez avec une autre glowstone ici, eh bien le courant va quand même passer. Vous pouvez voir, le courant passe quand même.
et monte et monte et monte pour arriver jusqu'à la lampe de redstone. Et là, c'est instantané, hein, c'est-à-dire que vous voyez, il n'y a pas de torche, pas de répéteur, c'est instantané. Les demi-dalles ont la même propriété, c'est-à-dire que là, on laisse passer, on laisse passer le courant. En fait, là, la demi-dalle, contrairement à la glowstone, peut casser un circuit, hein. Si je mettais une demi-dalle ici, là, elle casserait le courant, mais comme la demi-dalle, bah, c'est une demi-dalle, bah, on la met un petit peu au-dessus et elle laisse quand même passer le courant. Donc voilà, ça prend la même hauteur que la glowstone, ça va tout aussi vite. Donc voilà. C'est les différentes méthodes pour monter un courant. Il y en a d'autres. Donc parce que j'allais pas tout mettre non plus, il y en a quelques autres. Je vous en ai mis quelques-unes quand même. Donc maintenant on va passer sur faire descendre un courant. Donc vous allez voir, il y en a certains, ça va être à peu près pareil, mais d'autres, ça va changer un peu. Ah oui, petite précision, la glowstone ne fait pas descendre le courant. C'est-à-dire que si je veux faire descendre le courant, vous voyez que ça ne marche pas. C'est la même chose avec les demi-dalles. On ne peut pas faire descendre le courant. Donc c'est seulement en montée. Voilà, c'était la petite précision. Maintenant, on va passer à faire descendre le courant vers le bas. Et voilà, on se retrouve justement pour faire descendre ce courant de redstone. Donc on va monter cette échelle, même pas besoin. Donc voilà. Donc je le fais descendre de 12 blocs, hein. C'est pareil, c'est dans l'autre sens. C'est la même hauteur, mais dans l'autre sens, hein. Donc la solution 1, c'est toujours le bon vieux escalier de redstone, hein. Même défaut, mêmes avantages. Voilà. Pareil, on retrouve l'escalier en collimation. Voilà. Donc on active, vous voyez que la lampe qui est en bas qu'on ne voit pas ici s'est activée et se désactive. Voilà, c'est normal. Ensuite, on a une autre méthode. C'est ce que j'appelle l'ascenseur de répéteur. Donc là, c'est un ascenseur qui va vers le bas. Sachant que l'ascenseur à torche, comme vous le pensez, ne marche pas en allant vers le bas, évidemment. Donc on a l'ascenseur à répéteur. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je vais activer cette torche-là, le courant va passer là. Le répéteur va capter le courant. Et on a vu que le répéteur pouvait envoyer avec une puissance plus grande. Hein, allez voir l'épisode précédent pour en savoir plus. Mais on sait que le répéteur a une plus grande puissance de distribution et peut envoyer un signal de redstone dans un bloc pour que le bloc le restitue autour de lui. Donc là, on va le restituer en bas. Et ensuite, c'est toujours la même chose. Ce répéteur-là va capter ce signal de redstone, va le renvoyer ici, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et on arrive jusqu'à cette lampe de redstone. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 répéteurs mis à un tic. Donc ça veut dire on va avoir, comme pour l'ascenseur à torche, un délai de 6 tics. Donc vous voyez, évidemment, j'étais pas là à temps. Mais la lampe s'est bien allumée. On clique là, ça va s'éteindre. Ça s'allume. Voilà. On voit au fur et à mesure que ça s'active. Voilà. Hop. Et une autre méthode qui est, donc là j'ai un peu moins de méthodes que pour là, mais bon, il y en a beaucoup d'autres, hein. Je vous le dis, j'en ai mis quelques-unes, les plus sympas, les plus intéressantes. Voilà. Donc pareil, on utilise cette fois-ci des torches. Donc on n'utilise pas cette méthode-là, parce qu'on ne peut pas, tout simplement. Donc finalement, lorsqu'on va activer, vous voyez que ça va désactiver cette torche-là, ça va désactiver ça, donc ça va réactiver cette torche-là, et ensuite on a un effet en chaîne jusqu'à arriver à cette torche-là qui va s'allumer pour allumer justement la lampe de redstone. Donc 6 torches, 6 ticks de délai. Voilà. Là on voit très bien la redstone qui change, qui s'allume ou qui s'éteint. Voilà, c'est assez classe. Donc voilà, ça c'était les différentes méthodes pour faire descendre le courant. Il y en a d'autres, évidemment, je le redis, je l'ai dit, je le redis. Il y a d'autres méthodes, hein. Pareil pour faire monter le courant, je pense qu'il y en a d'autres. Je vous ai mis les plus intéressantes, pareil pour la descente. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez quelque chose à me dire en commentaire.
quelque chose à rajouter, ça peut m'aider déjà, et ça va aider aussi les autres. Ça m'aide à m'améliorer et ça aide les autres à en savoir plus, hein. Vous pouvez aussi partager vos connaissances via les commentaires YouTube. Donc, maintenant que j'ai fini avec mon discours, on va se quitter. Je vous souhaite, enfin j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour l'épisode 4 qui sera, donc on se retrouve la semaine prochaine, donc pour l'épisode 4 qui portera, je l'ai dit, sur les comparateurs et les entonnoirs, il me semble, hein. Si je me trompe pas, si je me trompe, bah tant pis. Si je me trompe pas, ça sera sur ça. Donc on va voir les deux blocs qui ont été rajoutés récemment avec la 1.5 de Minecraft. Donc le comparateur, on verra toutes les fonctionnalités. Et on verra aussi les différentes propriétés de l'entonnoir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas, comme je vous l'ai déjà dit, à mettre des commentaires. Ça peut m'aider, ça peut aider les autres. N'hésitez pas aussi, si vous avez bien aimé, à mettre un petit pouce vert. Ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous dans le meilleur des cas. Moi j'ai envie de dire abonnez-vous pour savoir, pour être au courant et pour être le premier sur la vidéo, l'épisode 4, quand il sortira. Donc voilà, d'ici là on se retrouve sûrement demain pour un épisode d'Apollo Craft. Et d'ici là, bah, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Allez, merci à tous, salut!